C'est à l'école publique de Bakele que s'est tenue la cérémonie d'installation du nouveau responsable communal de la Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation nationale et du bureau communal du syndicat professionnel de l'éducation nationale Action pour tous. Satisfaction parce que longtemps cette fédération n'était pas représentée dans la province de l'Ogololo, chose désormais faite. Notre slogan nous prenons pour une liberté au niveau du travail. Nous voulons que désormais l'enseignant se sente à l'aise et libre lorsqu'il est en classe ou hors de sa classe. Nous remercions également le président fédéral qui, via le président de la République, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, qui a permis qu'il pense à la province de l'Ogololo pour installer cette fédération qui désormais va mener des actions concrètes pour la lutte contre tous les maux qui minent l'éducation nationale. Pendant plusieurs heures, ces syndicalistes ont été formés et enseignés sur les aspects liés au dialogue social. Il était question pour moi, un, d'installer d'abord le bureau et deux, de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Il leur revient maintenant d'asseoir la structure syndicale dans toute la province. Asseoir la structure doit être encadrée. Encadrée dans quel sens? Un, c'est se rappeler que les organisations syndicales, les organisations de la société civile dont nous faisons partie, ont pour objectif de faire des propositions concrètes, de aider le gouvernement à prendre des décisions concrètes. Force d'action à la décision, les syndicalistes longtemps décriés amorcent aujourd'hui une nouvelle approche qui, sans nul doute, participera à l'essor de l'éducation nationale.